Et salut les enfants de la toile et bienvenue sur Reach pour ce 92e épisode du Let's Play consacré à Fallout 4, je suis Warkfail. Alors, avant toute chose, voilà ce que vous avez loupé dans l'épisode précédent. Barre-toi! Cours, putain, mais... Cours! Voilà! Oups! Oh bordel! Je n'avais encore jamais perdu qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'il y a de joli à récupérer là-dessus? Deux réacteurs à fusion, des cartouches, baumune relais énergétique, aluminium, tube électrique. Ah, mais rien de nouveau. Bon. Ça sera sympa à utiliser. Ça sera pratique à utiliser pour améliorer Ada. Alors, est-ce qu'il y a d'autres trucs intéressants là-dedans? Ah, c'est un sacré piège en tout cas. Un peu d'équipement, ouais. Je me suis raté. Hop. Ah, punaise. C'est bon. Ok. Ouais, du coup, je peux pas les utiliser. Bon, bah, c'était quand même plutôt utile. Hein. Plutôt utile. Ah non, c'est une souche. Je croyais qu'il y avait quelqu'un d'assis par terre. Oh, il y a un gros nounours devant moi. Ok, donc ça, on a récupéré ça. Putain, on est même pas à mi-chemin, quoi. Oups. Je vais prendre une autre arme, par contre, je pense, pour lui. Ah putain, ils sont deux! Ça va, ils descendent assez vite. Hop. Elle tourne bizarrement à la tête. Hein. Ouais, je porte trop de choses. Hey. Oui. De toute façon, je me déplaçais comme si je portais trop de choses depuis le début. Alors, en termes d'armes, on va lui filer tous les trucs qui sont pas pour moi. Voilà. Déjà, je porte moins de choses. Ensuite, je file
tout l'équipement que je porte pas. Je vais lui filer aussi tout le bric-à-brac. Ça va bien me vider. Ah ouais, clairement. J'ai perdu plus de 100 unités de poids rien qu'en lui filant le bric-à-brac. Les modes aussi, les munitions, on s'en fout. Voilà. Putain, mais ils arrivent encore, eux. Putain, j'arrive toujours pas à me déplacer normalement. Je sais pas ce qui se passe. Oh, c'est des super mutants, ça. On va pas aller s'occuper des super mutants. On s'en occupera quand on repassera. Enfin, si on a besoin de repasser par là. Tiens. Il y a des restes de robots. Ah, ça, ça m'intéresse, par contre. C'est pas moi, mais ça fait toujours de l'équipement intéressant à récupérer. Ah, Baker. J'imagine qu'il va aller chercher ce que j'ai demandé, puis il va revenir avec. Bon, ok. Ou alors il m'indique seulement où il y en a. Peut-être aussi. Ada, elle est bloquée, mais bon, c'est pas grave, elle se débloquera toute seule. Moto, ça m'étonnerait qu'elle marche. Ouais, non. Dommage. C'est ça aussi qui manque dans, dans Fallout, c'est des moyens de transport. Se balader, limite, je sais pas, limite avoir une monture, quoi. Même si c'est qu'une une de ces espèces de vaches. Je vais jeter un coup d'œil par là-bas. Bizarre. Attention, monsieur. Je crois qu'on n'est pas seul. Je les ai trouvés, monsieur. Bon. Il n'y en a qu'un seul, en fait. Je le couvre, monsieur. Oups. Voiture. Je vais essayer de la... Ah non, je lui ai déjà dégommé ça. Je vais essayer de lui dégommer les yeux. Voilà. Ok, les Mister Andy, leur point faible, ce sont les yeux. Il y a un peu de rad ici. C'est moi ou la voiture, du fait qu'elle a explosé, ça l'a déplacé. Oh! Chouette, une armure assistée. Oh là.
Ça fait plaisir. Je vais pouvoir la ramener à Sanctuary. Des cellules à fusion. Ok. Ouais, il manque le casque de l'armure assistée, mais... C'est en train de se canarder là-bas. J'imagine que c'est les robots encore. C'est pas vraiment mes affaires. Alors, il va falloir qu'on m'explique un truc. Comment je peux avoir le HUD de l'armure assistée si j'ai pas de casque avec cette armure? C'est plutôt étonnant, non? Alors, carte, ok. Faut que je me dirige vers la porte. Voilà. Ah, puis il se met à pleuvoir maintenant, super. Bon, ça a l'air d'être la seule ghoul qui était dans les parages. Enfin, du moins la seule de réveiller. Ah, j'ai rien dit, il y en a encore d'autres. Ils sont bien fait amocher quand même, les petits gars. Ah putain, il y en a quelques-unes autour. Je vais changer d'arme du coup. Ça a l'air de... On s'ennuie plus... Bon, après, c'est des ghouls, hein. Les seuls trucs qui sont chiantes, c'est les espèces de ghouls radioactives, maintenant. Les autres, ça va, elles sont gérables. Et lui, il sort, lui. Voilà. Plus de jambes. Je vais pas ramasser ce qu'il y a dessus. Oula. Ah, ça serait élevé si elles étaient... si elles étaient encore vivantes. Il y a eu un massacre par contre. Ah, j'ai plus de munitions. Putain, mais il y a des ghouls partout ici, c'est un truc de fou. Intéressant. Y a-t-il eu du mouvement ou est-ce un effet d'optique?
Bon, faut qu'on traverse cette ville. Et de préférence assez vite. J'ai pas envie de prendre toute ma journée pour me battre contre des ghouls. Oh, ça sent la grosse bestiole. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pompe à essence? Oh, on va tomber sur des fongieux. Si nous restons dans cette zone irradiée, vous allez devenir malade. Ouais, c'est pas une bonne idée. Ah mais attends, je suis où là? Il y a plus de détails quand même sur les cartes des armures assistées. Ok, la route elle est à droite. Quand même pas ça. Ouais, si j'ai l'impression que la route en fait c'est ce morceau d'autoroute là qui est tout pété. On va éviter de les énerver. C'est juste des pillards, mais bon. Ça finit par être agaçant, ils ont pas de loot. Encore, ils auraient du loot intéressant. C'est moi où j'ai presque plus de vie, en fait. Ah ouais, c'est ça, j'ai presque plus de vie. Pas un con qui est en train de me tirer dessus quand même. Par contre là c'est quoi? C'est un symbole du super mutant, non? Alors est-ce que c'est là que je devais aller? Bah, pas loin, pas loin. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais ramener l'armure assistée à... Je vais ramener l'armure assistée à la maison. Sauf que je viens d'engager le combat. Donc j'imagine que je ne peux pas. J'imagine que si je fais ça, que je reviens sur Sanctuary. Ce que je vais faire, c'est me barrer. Ah putain! C'est toi qui nous poursuivais depuis tout à l'heure? Bah d'accord. Waouh! C'est qui tire au lance-roquettes là?
Ok, c'est bon, voilà, ça c'est calme. Petit enfoiré. Nous allons peut-être avoir des ennuis. Vous allez le regretter. Putain, j'arrive. J'arrive pas à te voir, c'est agaçant. Ah mais c'est des ghouls en fait. J'ai tout mon temps moi. Hop, ça je prends, ça je prends. Voilà. Alors ça je prends, ça je prends, ça je prends. Et le reste je laisse. Ok, donc on va pouvoir retourner à Sanctuary. Et ce sera pas mal. J'ai fait quelques petites améliorations sur Ada. Je lui ai changé sa protection de tête. Et je lui ai changé, comme vous pouvez le voir, ses jambes. Hey. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, est-ce qu'on peut discuter? Ada? Voilà, monsieur. Attention. C'est avec joie que je vous... En quoi puis-je vous aider, monsieur? Autodestruction? Non, peut-être pas. J'ai fini, c'est bon. Très bien. Ouais. Bah, je commence à bien aimer, là. Elle en impose maintenant avec son nouveau châssis. Ok, on va pouvoir reprendre une activité normale. Ah putain, j'ai failli me tromper de touche encore. J'arrête pas de me tromper de touche entre les jeux que je fais, c'est un peu agaçant. Alors, on a quoi comme petite mission à faire? On est encore sur les trucs dédiés là. Donc je pense que je vais aller chercher ça et ensuite j'irai m'occuper de parler aux habitants là. Ah, c'est comment tu vas canarder, ok. J'ai quoi comme arme sur moi déjà? J'ai l'anti-animaux. C'est pas cool ça. Bon. Bah faut qu'on retente. Mais avant ça, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'équipement? Je vais pas prendre d'armure, hein. J'en ai encore récupéré, mais voilà. Je vais pas prendre des grenades, des trucs comme ça, je sais jamais les utiliser correctement. Du soin, non. Là-dedans, il n'y a pas de munitions. Là-dedans. Le lance-missile, non, j'ai pas de munitions pour l'utiliser. Soin, non. Ah non, j'ai rien d'intéressant là-dedans. Il n'y a pas le marchand. Au pire, ce qu'on essaye, c'est... On fait le voyage rapide dans une zone un peu plus loin. On va aller à Jamaica Plain pour essayer d'éviter d'être au milieu du...
au milieu de la zone de combat, quoi. Normalement, il n'y a pas d'ennemis ici. On va partir par là et puis on va suivre la route. Dada fait un de ces bordels. Mais bon, c'est déjà moins important que quand elle avait ses petites pattes. Ce qu'il faudrait, c'est trouver des munitions, mais bon. On trouve pas ce genre de truc au coin de la rue. Moi, je crois que j'entends les autres en train de tirer encore. Lol. Je sais pas sur quoi ils tirent, hein, mais ils tirent. Faire gaffe, il y a des putains de pillards à droite. C'est vrai qu'on en a un peu chié tout à l'heure. Enfin, l'épisode précédent. Ils nous sont tombés dessus comme ça, là, sans prévenir. Eh merde. Fais chier. Je vais me prendre un steam pack. Je vois une mine là-bas. Voilà une pièce digne d'un musée. Faisceau. Là. Voilà. On le désamorce. Là, t'en as un autre. Désamorcer aussi. Et qui est fou là, elle? Tu vois pas que c'est un peu étroit ici pour que tu puisses être là? Putain, mais pousse-toi, Ada, pousse-toi! Hey! Quoi? Ah ouais, d'accord, c'était ça le piège! Oh, le tir de lance-roquette qui aurait été violent! Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter, et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez,
tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime et vous aurez du gâteau.